Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Ah non, je suis mute. Bonsoir. Je suis la voix. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Allez-vous-en. Sortez de chez moi. Il se casse. Ah bien. Ça va quoi, Gachin? Oula. Ce game cet après-midi. Ouais. Deuxième, une petite deuxième place qui fait plaisir. C'est bien, GG. T'as si, t'as pris avantage de l'Inde. C'était beau. Ouais, j'ai surtout fait beaucoup de points en essayant de counter la culturelle. Et du coup, HK, question quand même. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Est-ce que je suis deck pour ma raclette? Ça, c'était la deuxième question. Ok. La première. Vas-y. Est-ce qu'il fallait pas que tu partes plutôt au campus du coup, vu que t'as pas fait de gare? Oh oui, non, mais je pense que le campement était full une erreur. Mais en soi, je préfère toujours partir campement sur CPL. En vrai, je pense que t'as raison, c'était moins risqué parce que si tu faisais la guerre avec le polonais, t'aurais pu un peu jusqu'à avant. Ouais. Non, mais GG en tout cas. Peut-être de la chasse, ça te met trop bien. Bon, par contre, j'espère vraiment que Shadowlands va sortir dans le mois qui arrive là. Parce que ça serait trop bien en vrai. En fait. Ouais. Bah parce que de 1 full dispo. Et de 2 il y aurait masse monde. Sur WoW là. Bah écoute. Ce serait trop bien. Bon, par contre ce qui est bien c'est que comme les collégiens et lycéens pourront continuer à aller à l'école, League of Legends ne sera pas trop pollué. Ça c'est bien. Moi aussi je crois que je vais en profiter pour monter dans le ladder. Moi perso là je suis Gold 3. En Gold 4, bientôt 3. Donc Sinon t'es diamant là. Mais va falloir qu'on joue, Riggy. Moi je suis chaud là, je suis surmis à quoi. Je sais pas quand t'es dispo mais faut qu'on joue. Bah là, je vais passer en télétravail un jour sur deux. Ok, le deuxième jour c'est quoi? C'est travail pas? Bah le deuxième jour si c'est télétravail, enfin du coup télétravail, enfin honnêtement, moi je travaille en communication en fait, et comme il n'y a pas beaucoup d'événements en ce moment. Ah bah non, c'est clair non. En communication? Dans quoi? Ouais, dans une mairie. Ah. Au début tu m'as vendu du rêve. Et tu m'as dit dans une mairie, tu m'as moins vendu du rêve. C'est vrai que la mairie c'est un peu la déception là. Ouais après ça dépend, des fois on fait des beaux événements. Ça dépend c'est quelle mairie. Ah je vais pas te dire, parce que sinon après... Ah, si c'est une ville... C'est une grande ville de la campagne. Est-ce que c'est une grande ville? Ville de 20 000 habitants. Ah! Ouais une ville, t'es genre, t'es à Vichy quoi. À Vichy. En région parisienne, donc après. Non, mais Vichy, c'est 21 000 habitants. C'est pour ça que je faisais cette. Ouais, la comparaison. Non, la comparaison. C'est ça, ouais, à peu près. C'est ça, c'est à peu près ça, ouais. Donc, c'est pour ça, c'est de cette taille-là. Ouais, c'est là où je vais aller vivre après. Après, je suis plutôt sur les réseaux sociaux après, tu vois. J'utilise. Je fais pas mal de. Ouais, tu fais de la com sur réseaux sociaux principalement. Hein. Ouais, et puis les événements, mais des fois, t'as des beaux événements hein, à mettre en valeur. Ah, mais je me doute bien, hein. Mais là, tu t'en as aucun, là. Bah, c'est ça le truc, c'était clair. Là, ça va être du télétravail, ouais, mais bon. Il y a toujours autre chose, hein. Tu fais, y a toujours quelque chose à faire, mais je veux dire, l'activité, elle est quand même moins soutenue. Donc... Ouais. Bon, ton mate, il est où, Dridri, là? Il arrive. Ouais, il fait la même chose. Je lui ai envoyé un MP, il m'a pas répondu. Il a peur ou quoi là? Tu peux host HK? Ouais. Peut-être ouais. Qu'il a peur du spawn, hein, c'est possible. Oui, c'est vrai que depuis qu'il est reconfiné depuis ce soir. Parce que ça commence ce soir à minuit, hein. Ah non, il est belge, il est belge. Oh bah lui, il est tranquille alors. Ah, il est tranquille. Il est plutôt tranquille lui. Non, mais le confinement c'est vendredi matin. Hein. Non, c'est minuit ce soir. Ils viennent de le dire là sur TF1. Le présentateur l'a reconfirmé. J'ai arrêté d'écouter une fois qu'ils ont fini de parler de ce qui m'intéressait, on va dire. Ouais, j'ai écouté vite fait aussi.
Non, en vrai, moi je comprends les mesures, c'est juste que ça me fait chier parce que vendredi soir j'avais une raclette de prévu. Mais voilà, ça me fait juste chier pour ça, mais bon. Ah, c'est sûr. Il vaut l'intérêt commun et global que personnel. Clairement, oui. Non, en vrai, c'est ce qui est bien, c'est que pour une fois, il a donné énormément d'explications. Ouais, je suis d'accord. C'est la première fois depuis toutes ces allocutions qu'on a énormément de détails sur le pourquoi on est confiné de cette façon, en fait. En mode, ben, y avait ça. On connaît tel chiffre. On a essayé ça. Ça a pas marché. Du coup, on va faire ça. Et là, t'es en mode. Bah ok. En mode, bah ok. Confinement saison 2, quoi. C'est vrai. Mais écoute, ouais. Non, pas confirmer les paramètres, non. Coup pour les décembre. Alors, minuscule. Derrière le mur qui joue son 2v2 là. Ah ouais? Ouais, regarde, il est juste en haut. Ouais, j'ai vu. Ha ha! Le bro! Il va avoir du mal hein, contre Colo et. Bah non, c'est des noobs! On va attendre, tier list de même. Colo était bien placé, putain. Mais Colo, en fait, mine de rien, il joue bien quand même. Donc, Ouais, il joue bien. J'ai joué avec lui en. Le problème, c'est son mate, en fait, là. Je vous dis, c'est des potes, hein, tous les deux, parce que. La dernière fois que j'ai entendu parler de son mate, c'est qu'il avait racheté une game. Ouais, il est pas fou. 4 4. Il est pas fou son mate. Hein. Oh, les musiques qu'il y a dans le pack The Anthem qu'il y avait au The Event. Je crois que vous avez un côté de tableau assez lourd, Adridri, non? Non, on est full tranquille. Les deux premiers matchs ça va et après c'est bon. Nous ouais, c'est la c'est tranquillité incarnée. Troisième match chez Pelmen et Odin normalement. Ah oui, nous on a Firsos Omega au troisième match. Ouais voilà c'est ça ouais. on va faire un. Bon, bah on attend 57, hein. Tu peux chat join notre rire. C'est HK qui host. Il m'a dit 5 minutes, quoi. Ça fait 10 minutes. Écoute, pour notre dernier match de squadron, il a prévenu 20 minutes en avance. Ouais, je suis en retard de 40 minutes. D'accord. C'est sympa en fait. C'est un classique. C'est pas mal. Ouais, je serai là dans 40 minutes, les gars. Hein? Mais là, ce qu'il me dit, c'est qu'il m'a dit j'ai une petite vaisselle à faire. Alors. Ah ouais? Une petite vaisselle. Vous avez fait Daronet ou quoi là? Je sais pas. Je pense qu'il vit tout seul. Ça, j'en sais rien. On s'est tous fait confiner. C'est ça. T'es allé un peu plus loin dans le jeu là, Red Legend là? Non. Parce que Malm, je crois qu'il joue pas mal à jeu en fait. Ah ouais, j'ai vu qu'il jouait pas mal, ouais. C'était intéressant quand même tout à l'heure là, les deux games, je regardais les deux. Mais en fait, il a bien aimé le jeu. Moi je le trouve. Je trouve que c'est un bon jeu, tu vois, mais. Ouais, sans plus. Sans plus. Mais c'est un bon jeu quand même. Où quand tu joues en free to play, tu peux t'en sortir aussi bien, plus lentement, mais aussi bien que des gens qui payent. Donc je trouve que c'est un pay to fast, mais c'est pas un pay to win. Ouais. Comme un peu Hearthstone, tout ça, quoi. Comme les FIFA, etc. Ouais, Hearthstone, j'ai beaucoup joué. C'est clairement des pay to fast. Ouais, c'est vrai que j'ai mis un peu d'argent. Du coup, tu disais en regardant les deux POV? Ouais, c'était super intéressant, je trouve. Parce que c'est pas du tout la même dynamique. Lui était vraiment tout seul en fait. Et je crois qu'il a rencontré le premier adversaire qu'il rencontre, c'est tour 40, je crois.
Ah oui. Ah oui, 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 il était vraiment... Ah oui, c'était l'américain, je crois, non? C'est ça, moi. Il était tout seul, je cime ma vie, quoi. Ma vie, c'est le cime. Et en plus, il avait le chinois, quoi. Quelle chance. Ouais, je sais pas, franchement, la religion, pèlerinage, j'ai un petit doute, quand même. Je suis pas super convaincu. Ouais, peut-être qu'il aurait pu avoir d'autres bonus. C'est pas... J'ai pas du tout vu sa game, donc je t'avoue que je pourrais pas te dire. Après, pour moi, la Chine, ça mérite un nerf. Pourquoi un nerf? C'est trop fort. Quand t'es comme ça, dans un contexte comme ça... Ouais, mais il y a beaucoup... ça aurait été une Allemagne, ça aurait été pareil. Hein. Oui, mais ça scale... Enfin, je trouve que, pour le coup, l'Allemagne, ça met un peu plus de temps quand même pour avoir des stats, alors que là... Ouais, mais c'est plus violent que la Chine en late, hein. Ouais, dès que t'as toutes tes hands à plus 12 dans toutes tes villes. C'est comme une chapelle. Tu peux détruire tout le monde en fait après. Tu peux faire ta scientifique sans aucun problème, tu peux faire ta culturelle sans aucun problème. Toutes les victoires sont à ta portée en fait. Ouais. Et puis comme beaucoup de types dans le genre, tu te retrouves à côté de quelqu'un d'agressif, t'es pas bien. Ah, il y a 57. Oh là là. Reggie, il faut que tu te mettes un cran au-dessus. Non, t'es bien. Mais team 2. Non, team 1, c'est les deux. C'est les deux. On se décale du coup. Bon, 57. Bah, bonsoir. Salut 57, c'était bien la vaisselle. Ah, écoute, c'est le genre de truc, si tu le fais pas tout de suite, ça pue après. Et ouais, ça pue surtout. C'est la merde. Allez, bonne chance, à tout à l'heure. Bonne game. Putain, y'a plus de 4v4. Merde. C'est HK Kiosk. Ok. On se met dans celle. Vas-y, on va dans celle. Allez, let's go dans celle. Bon. Ça change pas. S'il faut une religieuse. Bah, il faut une religieuse et il faut une militaire. Allez, on lance les bannes. Ah, j'avais oublié, au fait, j'ai fait un... Alors du coup, j'ai fait deux autres 2v2. Ouais. Voilà, avec Max. Et c'est vrai que c'est pas bête, il y a une tactique, en fait, c'est tu prends Maori, et tu prends un Warmonger type Tamar, et en fait, avec le Maori, tu choisis le continent où t'es tout seul. Parce que sur Terra, en fait, t'as deux continents. Ah putain. Et il y a cette strat là aussi, donc du coup le must ban aussi c'est Maori apparemment sur cette map. Bon, on a fait ça, mais je me suis fait défoncer. Hein. J'étais 1v2, je me suis fait défoncer. Parce que j'ai pris un settle un peu. Bah sinon tu prends Rune Rider. Hein. Ouais, ou sinon je peux prendre Rune Rider. Mais il y a une technique, voilà, tu prends Maori avec une grosse Sea Warmonger. Et l'idée c'est que ton Maori snowball quoi, parce que les free sim. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment envie de jouer comme ça en fait? Non, donc du coup je propose bien ban Maori. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est vraiment pas un style de jeu qui m'intéresse. Okay, au-delà du fait, même si c'est un truc qui te fait auto-win ou je sais pas quoi là, honnêtement, ça m'intéresse pas d'auto-win dans ces conditions. J'ai quand même un minimum de manière. Qui était hyper fort apparemment, c'était soi-disant Byzance. Ouais, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Voilà. Après, la croisade a été extrêmement nerf. Elle est à plus 5 maintenant. Enfin, elle est à plus 3, mais là, sur le pas de tournée, elle est à plus 5. Sinon, moi, j'ai bien aimé la game qu'on avait faite l'autre fois. Je trouve que c'était assez équilibré. On peut repartir sur la même compo, ou même type de compo. Après, ouais. Je sais pas, peut-être que... J'ai fait un DV2 sur Pangée aussi. Sur Pangée, peut-être que la Russie c'est envisageable. Parce que j'étais avec la Russie et c'était cool. Il y avait plutôt un bon land. Ok, qui est-ce qu'on ban? Bah, du coup, on part sur. Je sais pas. On est first pick, alors qu'est-ce qu'on prend? On peut ban. On avait dit Gandhi la dernière fois, mais. Gandhi, Rome, Éthiopie, un truc comme ça, quoi, j'imagine. Donc, du coup, on ban Mongolie. Ben, la Mongolie, ouais, c'est trop rapide la Mongolie. Il reste 3 bannes.
Byzance. Il reste Perse, Rome. Et en religieux, Candy, Éthiopie. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on banne soit Perse, soit Rome. Ils vont sûrement ban l'autre. Et on pique soit l'Inde, soit l'autre. Ouais, on peut faire ça. Qui est-ce qu'on veut jouer? Moi, je pense qu'on veut jouer la Perse. Perse, c'est pas mal, hein. Donc ban Rome, ça me semble pas mal. Ban Rome? Ouais, ban Rome. On faire speak quoi, du coup? On faire speak quoi? Parce que j'ai pas la Perse, hein. On faire speak la Perse, plutôt, là? Tu veux jouer quoi, toi? Tu joues Perse? Ouais, je veux bien jouer la Perse, ouais. Ok, bah vas-y, on ban Rome, alors. Attends, c'est quoi? Là, il nous reste un ban. C'est ouais. Le dernier ban, du donc coup. Là, c'est vas-y, Rome, allez. Ouais. Ok, et s'ils prennent un truc, s'ils prennent Gandhi. Là, il faut prendre Gandhi en fait. Ah oui, c'est la map, c'est Terra. Bah là, il faut tous les jours prendre Gandhi en fait. Tu penses? Ah bah oui, il y aura plus. Enfin, c'est. Vas-y, on va tester. Et hop, Gandhi. Il faut prendre Gandhi parce que. Sinon, ça va être la merde en fait. Il peut prendre Éthiopie. C'est bien Gandhi, en plus t'as une croyance. T'as pas vu Pic? Je l'ai mis, hein. Ah, j'étais dans les settings, ça a dû l'enlever. Pas grave, t'inquiète. Voilà. Prendre quoi? Parce que 57 ça, il joue plutôt Naval en plus. Naval sur Terra, j'ai la chef. Hein. Ouais. Vas-y, je vais annoncer le pic. Ah. Perse City. Ouf. Ouh. Merde, on avait dit qu'on voulait tester la double Grèce. Ah oui, aussi, ouais. Vas-y, on. Oh putain, on peut pas changer, fais chier. Non, là franchement c'est chaud. Si tu prends Périclès... Quoique c'est possible, mais... Non. City, c'est OP avec le nouveau patch. Ouais... Je propose le tarot. Le tarot est pas mal. Parce que de toute façon, ils vont vouloir faire l'âge d'or, donc t'as ils un bonus pétés. Avec le tarot, donc... Sinon, t'as l'Otaro. Est-ce que t'as joué ce que t'as. Ouais, il y a après-midi. Bah, si tu veux, tu prends Gandhi et moi je prends les Ross Rider. Ah, tu voulais jouer Gandhi là plutôt? Non, c'est toi qui joues Gandhi, non? Ouais, c'est moi qui joue Gandhi, ouais. Ouais, ouais. C'est toi qui décide. Après, on peut jouer la Macédoine aussi. Je peux partir à Macédoine si tu veux. Hein. En vrai, y a plein de trucs. Hein. En vrai, vas-y, j'ai envie de jouer Macédoine, tu m'as chauffé là. Macédoine, c'est trop bien. Allez, vas-y, go Macédoine, mec. Tu vas pouvoir tirer. J'ai envie de jouer Macédoine. Ouais. J'ai envie de faire toutes mes games à Mirel. Allez, on va essayer ça. Allez. Ça va être chelou. Ça va être chelou. Ça va être chelou, bien chelou. Par contre, ils ont pas pris de cive religieuse, donc ils sont forcés de faire une religion. Si, il va faire la religion avec la City, et que la City va acheter ses unités. Ah ouais, c'est envisageable ça, en vrai, ça. Bah, bien sûr. Ok. Après, il va pas rush le sein, à mon avis. Hein. Je joue vite fait. Je me mets prêt. Vas-y. Let's go Cyrel, messieurs dames. Heureux, c'est parti. Peut-être prendre Dim cette fois-ci. Hein. Je pense que c'est pas mal. Enfin, peut-être que tu sors tes plateformes quoi aussi, parce que sinon on va être dans la merde.
Bof. Macédoine aussi, ça m'excitait là. Bah moi ça m'a beaucoup excité, hein, t'inquiète. Je me suis dit go. Oh, en plus Gandhi c'est bien parce que t'as une charge de progression plus 2 sur les missionnaires. C'est trop bien ouais. Je vais rester sur deux villes, je vais faire le même BO que l'autre fois avec l'Éthiopie, c'était pas mal. Oh putain le spot de merde. Tout le monde a chargé là? J'ai l'impression. Oh on a deux spawns de merde hein. On est à côté là, putain. Ouais. Oh. Putain, t'es rare. Je mets l'épine. On est au milieu de la map en plus là. Presque envie de lâcher un petit vomi là, tu vois. Ah bah, on va lâcher un slash remap. Ah non, on est près de la côte. Du maïs. Moi je vais me poser sur la teinture, je crois. Hein. Je suis très content. Oh c'est quoi ce vomi là, j'avoue. Mais oh là là, what the fuck. Oui, il y a trois teintures là. Bah t'es Maya en fait. Tu sais mec, pas, j'aurais eu le Maya là. Mais là tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir ton panthéon vachement vite en plus en tout cas. Est-ce que 1 2 3 4 5 6, est-ce que ce serait pas une thèse des festivals? Ça, c'est je pars travailler du bronze ou équitation? Ah, du bronze, hein, y a une perce. Hein. Ouais, je pars élevage, moi. Ouais, vas-y. Si tu veux, je te petit tire. Ça, tu me fais le petit tir à l'arc. Après. Ouais. D'abord, je te fais le bon lieu sain. Mais... Toi, tu te poses où sur la 1-2, non? Est-ce que je perds un tour pour faire une 2-2? En sachant voilà. Peut-être que j'aurais même pas de 2-2 dans mon premier ring. En vrai, je préfère plutôt cette direction sur place, non? Moi, je pense faire une 2-2. Que je gagne pas grand chose en fait à me déplacer. Je perds te dégoûte. Comment ça? Comment avec un lieu sain, si je vais chez lieu sain. Velmac, comment tu peux dire que ça te dégoûte? Tu es resté sur place. Ça a bien fait. C'est pourri hein. C'est vraiment pourri. Ah, on peut que avoir mieux à mon avis hein. Et en plus, t'es plutôt à droite de moi. Et j'ai plutôt un start dégueulras. Je sais pas trop, ouais. Ok, il y a la côte à gauche aussi. Wow. En fait, je suis box. Posé costal. Hein. Mais non, t'as une. Ouais, t'es presque box. Allez, je veux un éclaireur. S'il vous plaît. Ok, ton situation actuelle. Moi j'avais une raclette hein, ce vendredi soir donc je suis très dégoûté. Tu fais quoi après? Tu vas à droite avec ton guerrier ou... Ouais, je vais à droite après. Ok, l'éclair va aller à droite aussi. Cool. Waouh! A mon avis, c'est eux qui ont les lampes de ouf hein, parce que nous. C'est dégueulasse. T'as mis les ressources à nouveau Ouais, je dis mon nouveau, ouais. Je fais un éclair, je fais. Ah là là, Velmac qui a déjà fait sa raclette le week-end dernier, non. Stack prod. Ah, c'est pas très beau, hein, oh là là. C'est la pire. Ça me donne l'oreca au moins, mais bon. Ok. Après moi je m'en fous de cette toile dans le gris mais bon. Laventa. Avec massive là. Laventa? Ouais. Oh, c'est pas mal ça. Place de goût. Ok. J'ai des chevaux.
T'as pas de chevaux? Quoi? Si, t'en as là. T'en as là. Faut que tu s'étales par là, du coup. J'en ai un seul. T'en as un là aussi. Mec, pour deux poneys, c'est rimé. Pas de poney dans le premier dans la cape? Bah non, je trouve que c'est rimap. Ta cape, en fait. En fait, c'est rimap direct, hein. C'est what the fuck. C'est juste what the fuck. T'as une putain de crue en bas là. Ouais, dans du désert, hein, en dans bas. Du c'est désert. Quoi, ce bordel. Ah, mais c'est quoi cette map de merde là? je savais que Terra c'était à chier, mais à ce moment là. Terra c'est. J'ai c'est fini deuxième. C'est match. Cassé Terra. Plutôt bien passé. Ouais, non, là c'est affreux. Hein. Envie de me tirer une balle en fait. On peut acheter un éclaireur si tu veux. Merde. Ouais, on peut surtout remap. Hein. Bah, nos caps sont affreuses, mec. Hein. Ils ont quasiment. C'est quasiment sûr qu'ils ont. Bah, moi, ça a rien d'exceptionnel. C'est standard. Mais c'est quasiment sûr qu'ils ont mieux, rien. Ils sont devant en science, en culture, en. J'ai pas de rivière, je suis box par toi. Ils sont devant partout. Enfin, c'est remap direct en fait. Après, par rapport à ton placement, je peux chier des villes, moi, pendant que tu te tapes. Oui, non, mais. Je sais pas, hein. Alors, j'ai du rouge à droite là. Et j'ai deux rouges à droite. Les tours 8, hein. Faut prendre une décision. Y'a Kaioka que tu peux prendre. Oui, non, mais j'ai deux rouges à droite. Donc. Non, mais on remap, hein. Remap tous les jours, enfin. Ok. Ça me va. Enfin, toi, ton start est à chier. C'est... Attends, avant de voter. Moi, je pense quand même qu'il faut remap, tu vois. Enfin... Je vais enlever mes pins. Allez, yes, ok. Allez, on peut avoir que mieux. Allez, ils avaient dit non, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, on peut avoir que mieux, là. C'est un start où t'as pas de 2-2 quand même. Hein. Ouais, 0-2-2. 3 en 100. Ça, on est d'accord. L'une des pires ressources du jeu. Tellement elle est à chier. C'est dame, c'est un bias ou pas, hein? Je sais pas, tu te fais. Macédoine, ça a pas de bias. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Indien aussi, ça a pas de bias. Mais... Et ils ont quoi? Ils ont Perse. Perse a pas de bias non plus. Et City. Ah oui, ça, City, ça a un bias hors 6. Juste la City qui a un bias là, donc je vois rien. Je suis costal. Oh, t'as des épices. Beaucoup mieux déjà! Ah, moi ça va être coton direct en fait. On va avoir du gold. Hein. Ouais. Coton. Putain, j'ai un beau port. Pomme. Bah, moi je pense que je me pose là, hein, sur la. Adjacent ouais, aux deux cases, hein. Bah ouais, écoute, que toi plaise. Allez, sur lui, on continue. Ouais, c'était sympa, Velmax. Ouais. C'était une game sympa. 3, 4, attends, c'était le... près de la 1-3, c'est ça, après Ouais. Ouais, ouais. Avec des montagnes, tu pourras peut-être poser un peu campus. Ce qui est pas mal aussi, là, c'est que tu pourras faire un... peut-être... place de gouv, 2 plateformes co. Ça te fera 2 plateformes co plus 4. Toujours appréciable. Ouais, allez hop, y va. J'ai un village tribal directement. Tour 3. Et un bâtisseur directement. C'est le talent, moi. C'est le talent ou rien, quoi. Le bâtisseur, il va scout. Je vais remonter la rivière. Tu peux aller en avant. Ok, je vais aller en haut, du coup. J'ai 3 goals par tour, ça va falloir les utiliser. Hein. 3 goals dans 10 tours, ça fait 30, en 20 tours, ça fait 60, ça fait un éclair. T'es trop fort en calcul, mec. Peux acheter un éclair, du coup. Oh là là,
bâtisseur qui fait le café. C'est vrai que ta blanche en haut. C'est pas abusé, parce que mon bâtisseur il a trois de mouvement en fait. Ah bah oui, mais c'est trop bien en fait. C'est un éclaireur. C'est le meilleur village tribal. Alors, c'était ta blanche au nord, hein. Est-ce que village tribal est Vatican. C'est pas mal ça. Village pas tribal. Mal. Donc on avait eu un village tribal. Ok, j'ai d'autres pop. Qui nous donnait un bâtisseur. Est-ce que celui-là va nous donner un bâtisseur? Oh putain, un éclaireur. Et mec, c'est... Go jouer au loto, mec, hein. Parce que là... Bon, moi j'ai déjà d'autres pop. Dans deux tours, j'ai trois de pop. Je vais faire élevage. Peut-être attendre, je délay. Élevage peut être pas mal, ouais. Parce que je... Ouais, je sais pas si je... Artech, astrologie. Je vais manquer de prod, hein, sur ma cape, hein. Faudra que j'achète la 2-2. On a de la thune, t'inquiète. Le mec, il dit, je vais manquer de prod, quoi. Quel enfoiré. Bah oui, regarde. Je sais. Bah voilà. Avec de l'Afrique. Oh, il est beau, hein. Tu te poses sur le coton. Ah, bon, bah les couilles. Donne-moi 5 gold, s'il te plaît. Non. Ouais, 5, là. Voilà. Ça, je suis bien pour le prochain tour. Yep, y va. Allez, Shadowlands là, c'est Blizzard, c'est le moment d'annoncer une date. Oh, une fois que je vais terminer. Allez, Bibli. C'est le moment d'annoncer une date et de dire, messieurs, dames, le jeu sort demain! Voilà, c'est le moment de faire ça. Il y a beaucoup de lacs là. Ah, Google, il faut vous mettre à jour, hein. Parce que Shadowlands n'est pas sorti hier, hein. Qu'est-ce que je vais mettre sur le coton? Ah, spéculation sur la nouvelle date de sortie. Il y a du rouge déjà, là. Où ça? En bas de la. Ah de ouais, bah ça doit être une cité-état, ils ont rien en toundra. J'espère. Ah bah non. City. Non, c'est bien une cité-état. Il y a la city qui est à droite. Est-ce qu'on déclare la guerre et je stoppe? Tu peux Zoc, ouais. MDR. Fais ça. Vas-y. Ça nous fera des points d'air en plus. Bah non. Tu gagnes pas de points d'air quand tu déclares une guerre. Ah non, c'est pour eux, ouais. Hop. Ah si. Si, c'est parce qu'on a rencontré le Perse. Y'a moins 6 à droite de ton. Ils sont tous les deux à droite, je crois. Toi, t'as plutôt le Perse et moi j'ai la City, je crois. T'as moins 6 sur la 2-1. Et moi j'ai moins 10 en bas à droite. Sur la 2-1 Ouais, sur la 2-1 volcan. Là. Et sur la. Ah ouais sur le bétail aussi. Close. Close, du coup. Du coup, je vais le bloquer lui. Oh, une petite choke à tenir. Ouais, t'es moins. Oh, t'as moins 10. Il est juste derrière la montagne en fait. Bah, je vais mettre la pause hein, pour eux. Ils vont vouloir, je pense qu'ils vont vouloir remap. Ils ont pas vu l'œil de l'Afrique. HK, tu peux t'acheter un éclaireur si tu veux. Pas besoin, j'en ai déjà deux. Ok, on garde la thune. Ah là, on est vraiment bien là. J'ai des poneys ou pas? Je fais élevage là. Ok. Je te dis ça. Travail du bronze, 10 tours pour moi. Bon, Meneille. Ah, il remap, oh, putain. Regarde ce spawn de ouf, putain. Ah là là, on a utilisé tous les remaps possibles, messieurs dames. C'est souvent ça. Oh, salut Michael, comment vas-tu? J'ai l'impression. Salut Manu.
Je sais pas si on va le faire, hein, mais là on avait des très bons starts. Moi ça manquait un peu de prod, mais j'avais un bon start quand même. Ah bah, deux villages tribal, bâtisseur puis éclaireur. Trop bien. T'auras difficilement mieux. Et puis œil de l'Afrique. Ouais. C'est pas la merveille la plus dégueu. HK le grand, ça sonne bien. Hein. Ça sonne bien. J'aime bien. J'aime bien HK le grand. Ok. Non. Ah, j'ai deux choix, HK. J'ai le choix pour la soie. Ou j'ai le choix. Faille géothermique. Je pense que c'est la faille géo. Faille géo tour 2. Je pense faille géo, c'est pas mal. Hein. Et B2. B2-2-2. B2 soie. Ouais. Hein. C'est bien ça. Moi, je pense que je me pose sur la 1-3. Je le tente. Bah ouais, let's go, c'était la bonne soie. C'était bien. Ouais, c'était bien. 2, 3, 4. T'auras un setup bétail après. Il y aura peut-être mass spawné. Ou la 1-3. Ouais, bétail sûrement. Du coup, je pars plutôt. Je fais Geo. Ouais, fais Geo, c'est full game. Traverse la rivière. Ouais. Hop. Okay. HK, le perfide, ça sonne bien aussi. Oui, c'est vrai. Ça sonne bien. Oh, attends, bon, il y a deux continents? What the fuck? Jamais deux continents. En haut. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en haut. Hein. Ouais, mais il y a des belles chocs. Ils peuvent venir. Ah oui, plutôt, il y a un lac aussi à gauche. Ah oui, impossible de passer du coup. Hein. Allez, la merveille. Du coup. Merveille HK. Quelle merveille. HK. Faut que tu trouves une merveille. Ah, faut que tu trouves une merveille. Là, t'as un talent et tu trouves une merveille. Talent de trouveur de merveilles. En plus, c'est pas mal parce que au niveau de la choke. En Belgique, nous allons nous aussi vers un deuxième confinement. Ah ouais? En Belgique aussi? En Belgique, ils sont déjà confinés, je crois déjà. Non bah, visiblement, non. Ok, je pensais déjà. Je vais descendre avec mon guerrier si tu veux. Non, va en haut à gauche. Tu penses? Ouais, je pense que c'est mieux. Oh, plutôt en bas, ouais, j'avoue, les deux sont ok. Vingt gold. Ça va te faire un gros bonus quand même la fissure. Hein. Enfin la faille géothermique. Il y a du coup deux éclaireurs. Pour l'instant, il y a des restrictions. Ouais, on a eu des restrictions pendant 2 semaines. Et là, ça a pas marché du coup. Enfin, ça a pas suffi. Et par exemple, pour vous donner un exemple, c'est un truc que je comprends, les restrictions qu'ils font. Par exemple, les bars. Ils en mode, oui, ça nous prive de nos petits bonheurs, tout ça. On part vers les hauts du coup. Ouais, mais est-ce que les bars. Ouais, je parle. Est-ce que les bars respectent. Du coup, HK, tu fais un deuxième éclaireur toi? Ouais, ouais, deuxième éclaireur. Tu voulais une merveille? Quel. Le guerrier, je sais pas quoi faire là parce que t'as les. Tu remontes ou tu vas en haut? Ou va. Non, en bas à droite, c'est bien, enfin comme tu veux. Ouais, c'est bon, ça va en fait. Ouais. Comme ça, on prend la rivière tous les deux. Est-ce que les bars respectaient les. Pour faire des petites proxies. Tout ce qui était demandé? Bah non. Ok. Alors les bars n'ont jamais respecté en fait. Et c'est ça le problème. Hmm. Bah c'est tout hein. Un seul poney? Y'a pas beaucoup de chevaux sur cette map, j'ai l'impression.
Ah, j'en ai en bas, moi. En fait, quand j'allais au bar qui était en bas de chez moi, tous ceux qui étaient en train de boire des coups, il n'y en avait aucun qui était masqué. Qui avait son masque. Juste ahurissant. Et hallucinant. Juste ultra scandaleux. Et perso, ça rend fou. Enfin, tu comprends pourquoi. Personne n'a le masque, tout le monde est en train de boire son coup. Le masque, tu sais même pas où il est. C'est normal que au final, il pète des câbles derrière. Si personne ne respecte. On peut acheter un éclair. Tu peux me donner la thune? J'ai pas assez de vision. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt... Ils peuvent être aussi en bas à gauche. Faut qu'on en achète un là. On a pas assez de vision. Ok, ça m'a fait le récap pour tirer à l'arc. Oh nickel. Plutôt nice, ouais. Moi j'ai 2 tours astrologie. Il peut y avoir un mec en bas à gauche en fait. En vrai, et un mec en bas à droite. Eux pourraient pas se faire de route contrairement à nous. Ou les 2 mecs qui sont en haut à gauche. Du coup, on va te voir plus souvent en stream. Oh, bah déjà, vous me voyez souvent en stream, Manu. Hein. Quand même. T'es pas mal actif. Il me dit ça comme si on se voyait pas, quoi. Ah, ça y est. Où ça? T'as moins 6 sur l'encens. Quoi? Pardon? Moins 10 sur la 2-2. Tout 0. Là, t'as moins 10 là. Yes, un plaisir. Si t'es éteint en bas. En fait, faut que j'aille prendre la rivière au nord, quoi, en fait. Ça, exactement. Ouais, mais est-ce que j'ai des poneys au nord? Non. Moi, je vais avoir du poney hein, sur ma V2. Ok, Akan. Akkad. C'est bon ça. C'est bon ça. Du coup, tu as découvert. Alors, j'ai rencontré la City. Ouais, t'as le guerrier. Qui a déjà une promotion. Ouais, moi aussi, j'ai une promotion. Sur quoi je vais là? Sur Travis Bon, non. Tu peux m'envoyer des golds, s'il te plaît? Sur les varous. J'achète une case. Ah, du coup, t'as le réc à tirer à l'arc, mais je crois que je vais le faire. Hein. Par contre, est-ce qu'on écho pas pour un bâtisseur pour que je taffe les chevaux? Je fasse un tisana. On peut. Après, est-ce qu'ils sont pas tous les deux du même côté? Je vais aller regarder. Ouais, ils sont tous les deux. J'ai moins 20 en haut. C'est pas impossible qu'ils soient tous les deux du même côté. Hein. Faut que t'as découvert la cité-état, tu peux monter, je pense. Ouais. Je vais finir de scout à droite et j'ai un éclair là-haut. Ah, ils sont tous les deux du même côté en fait. Donc, si je résume, ils sont au nord et vous au sud, exactement. J'arrête de parler Covid et je regarde. Allez, vas-y. Et du coup, on a un petit avantage parce que. Au niveau des cives. Toi, il va falloir que tu fasses le taf avec ta religion. Hein. Prédicateur itinérant, let's go. Hein. On va aller voir déjà ce qu'ils ont.
Ok. Mais il n'y a que la City là pour l'instant, je sais pas où il est l'autre. Peut-être près de Akkad, non? Il aurait spawn dans l'autre continent tout seul? Bah si c'est le cas, on va juste tuer la City en fait. Et comme t'as une religion, ça va se propager vers... J'ai l'impression. Vers lui ou dormant, hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Et si c'est un 2v1, ben on fait une culturelle, hein. Je remonte avec mon éclaireur pour y mettre la pression. Il a pas l'air d'avoir un gros start lui hein. Allô? Oui allô? Allô Riggy? 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 Mais il va falloir attendre le retour de Riggy. Hein. Allô? Oui? Désolé, ma box a fait ça maintenant. Je sais pas pourquoi. Toujours le soir là, vers cette heure là. T'inquiète. J'arrive. C'est d'avoir Free ou SFR. J'ai un settle là B2 entre les deux soirs. Insane. Ah bah je pense que tu vas le mettre là. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Le croupier, ça va pas être trop ouf, je pense. Bah, t'as une grosse. T'as un gros lieu saint juste au-dessus, là où il y a ta... ton colon. Qu'est-ce que je fais là? Tu veux que je fasse plutôt du militaire ou je sim comme un porc? Bah, moi je pense que tu peux faire 2-3 varou. Ouais, c'est tout, hein. Mettre la pression. Ah, ouais, moi je vais lui mettre la pression et l'empêcher de passer. Je vais prendre la rivière. Je vais me mettre bien. C'est relou les sacs quand même. Ouais, contre... avec les états rois, tu veux les bah ouais, voilà, c'est ça, avec les états rois, je vais avoir des bons trades en fait. Donc Ah du coup, tu fais quoi? Tu fais quoi? Campement et tu vas sur les états rois? Campagne de états rois, ouais. Du coup, ça serait bien que je te petit les arbas peut-être? Ouais, très bonne idée. Toi, tu peux full sim, hein. Lieu saint first et full sim. Hein. Campus plutôt, non? Je sais pas trop. Ah non, non, lieu saint là déjà. Ouais, lieu saint, mais après. Bah là t'as un plus 5 là sur le bétail. Sur la 2-2 t'as un plus 4. Si je me rappelle que t'as une faille. Oui, c'est vrai. Donc de toute façon je pense que tu peux partir sur... sur le lieu saint first, tu fais vite la région dont t'as besoin, et puis voilà. Ouais. Il est là du coup. Il est full box, hein. Ça se trouve, le père c'est tout seul en fait, hein. Ou à droite. Mais y a pas de loyauté. Il est loin à droite, hein, à droite d'Akkad. Ouais, y a pas de loyauté. Je pense qu'il est sur le continent tout seul en fait, sur l'autre continent. Mais c'est impossible. Bah écoute. Ça a l'air d'être possible. Toi tu fais double colon là? Ouais ouais, double colon. Je vais avoir les campements en même temps que la fin de mon prochain colon. Est-ce que je finis tir à l'arc vu que t'as l'opti? Non, t'es pas obligé. Hein. Ok. Et tu finis le travail du bronze dans combien de temps? Ouais, 4 tours. Il est tout seul. Il y a la côte à droite. Mais non. Je peux chier. Là les villes.
Mais il est sur le continent tout seul, mais what the fuck. Mais là, il a qu'une seule ville, là, l'autre. Il a que sa cape. Je sais pas, c'est chelou. Déesse de la ville pour lui. Ça lui dit, là, il y a un paquet de settles là en plus. On va juste mettre la pression. Je pense que si je me mets là, je lui dis, là, il y a un paquet de settles. Non, t'aurais dû rester en haut. Ouais, j'ai retourné en haut. Ok, je vois sa B2. Okay. Elle est côtière. Une box de ouf en fait. Ah, il pourra. Si tu gères la droite, il pose pas. Il pose pas 3 villes. Attends, il y a encore du land en fait à droite là. C'est quoi cette map? What the fuck la map? Tu peux me passer les gold, je vais m'acheter un bâtisseur. T'as fait les ouais, chevaux. Ouais, je t'envoie ça. Je vais en stacker. Prochain tour. À un gold près. Ouais. Il serait pas à mon sud quand même. Non, il y a pas de loyauté. Ah ouais. Loyauté. Non, il est pas. Sinon, on va à la loyauté. Hein. Pour encore déclarer la guerre. Tu vois pas d'autres poneys? Attends, je vais regarder. Alors, ah oui, faut que j'achète le bâtisseur. Pardon. Attends, je vais faire la recherche parce que j'ai la bouffe. Non, ils sont tous de mon côté, les chevaux. Il y a encore du land en fait, il y a un black. Je sais pas, incompréhensible. Il est costal. Ok. Alors, j'ai mon panthéon. Déjà? Ouais. Bétail, blé, riz, t'arrêtes de fertilité, ok là. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as que ça là. T'as... Ouais, avec des fertilités, il est plus que. Je pense que je vais prendre deux des artisans. Ah bon? Avec non. Un seul chevaux? Un seul poney? Ah non, moi je non, mais avec des fertilités. Je sais pas, t'as le fer là? Non, pas encore. Ouais, j'avais que un de fer. Ouais, mais c'est. Là, le fertilité est bien. Ouais, c'est pas mal au final. C'est à mon tour. Je suis massacré, moi, j'imagine. Tu peux me donner quelques gods, s'il te plaît? Ok, il a déjà les archers. Je vais juste me mettre en situation de. J'ai l'impression qu'il va rusher les montées Saka, quoi. Gameplay plus qu'intéressant. Est-ce qu'il a le choix? Non. Ça aussi. C'est ça, exact.
Allez, je veux une strong religion là. Vite qu'on envahisse sa religion, qu'on l'envahisse lui. Et que ça aille très loin jusqu'à l'autre bout de l'autre là, je sais pas où il est. Ah dommage, ton éclaireur, Riggy. Il est à droite. Riggy, ton éclaireur. Lequel? Bah je t'ai dit de contrôler à droite. Dommage. Quoi? Il y a le colon qui se barre, ouais. Bah ouais. Bah écoute, je me mets sur la 1-1. Il sera bloqué. Il est obligé de déclarer la guerre. Il peut aller sur le cuivre, mais après du coup je peux me perdre un peu de temps. Et il va aller plutôt vers la droite, mais je sais pas, il devrait y avoir un settle. Attends, mais là, avec toutes les fois qu'il y a, il est où son poney? Ah, s'il en a déjà 18. Il doit en avoir sur sa ville en fait. Je pars sur tradition militaire. En fait, le père c'est sur notre continent, hein. Il est à droite. Ah ouais? Mmh. Oh bah super. Il faut que je fasse gaffe, il y a peut-être des éclairs qui sont passés. Quatre, deux tours, j'ai mon campement. Fais gaffe, au nord. Un éclair. Il est passé, ouais. Ah oui, tout à droite. En effet. C'est vraiment dommage que je n'ai qu'un seul poney quand même. Hein. Ouais, il prend de la mer du coup. C'est vrai qu'il a des beaux poissons. Bon. Ah, tu vois, tu fais 2-3 varous et tu envoies les unités au nord. Ouais, j'attends que tu fasses tir à l'arc. 4 tours. Ok. J'ai du fer chez moi. Sous ton lieu saint à gauche de Delhi. Sinon, c'est tout. Si, t'en as un là. Le pin. Tu peux enlever le pin de chevaux s'il te plaît. Ok, je vais te faire maçonnerie. Ok, je vais faire mes monuments rapidement. T'as combien de poneys? J'ai 6 là pour l'instant. Ok, garde-les bien au chaud. Ouais, t'inquiète. Normalement il part pas campement le PR5 du coup. Non, il est pas parti campement ni religion. J'imagine qu'il est parti au milieu du coup, faire des routes, des grosses routes très cool. Ouais, des routes internes. Mmh. Pas trop Cyril sur l'autre là. J'essaie de prendre la position là-haut. Puis on va l'asphyxier en fait. Je vais te laisser des settles en bas.
pourra peut-être aussi prendre la côte. Faut que je vois aussi les costales. Il m'a l'air d'être ok tout ça là. Sans mettre la passe de Google, en fait. Je vais le poser tout de suite. Elle va être compliquée cette game, quand même. Pourquoi ? Sensei. C'est chiant, ouais. Vu que j'ai fait un détour, lui il est bientôt sur le sac à. Oh, je crois en toi, mec. Ouais. Nice. Si tu y arrives avec ton éclaireur, c'est que tu découvres la capitale. Je suis sûr qu'il s'est posé sur du poney. C'est impossible qu'il en ait déjà 25. Voilà, dans 9 tours j'ai les poneys. Le 10 de science. Il a posé un campus. Et what the fuck, 10 de science. Il est de belle merveille, hein. Mais comment il fait pour avoir 10 de science? Ah, je sais pas, mais. Ça, ce serait bien de savoir que, comment ils accapent en fait. Ouais, je vais essayer. Je compte sur toi. Alors, on prend quoi? Nourrir le monde? Bah oui. Ouais. Prédicat... non, on avait dit... Ça si. Peut... En plus, je suis au milieu. Mais non, prédicateur. Oui. Voilà, c'est ça. Et Jim. Prends Jim. Tu veux pas prendre Jim? Je peux prendre 10. Surtout que je suis parti campus. Ça me paraît logique. Il est parti campus, la city. Ah, c'est ça. Ça m'y ferait pas autant de points. Mais il a un campement aussi. Il a fait campus et campement. Il a déjà son campement? Ouais, regarde, il fait des points. Ah non, je confonds avec toi, donc il l'a pas, ouais. Donc c'est bon en fait. Bah, et t'as roi campement Ouais, je sais pas combien il va tenir en fait. Peut-être me rapprocher de lui quand même, d'abord. Ça me paraît d'être une bonne idée. Moi j'ai pile poil les 19 mois, je sais pas toi, mais je sais que ça va être difficile pour toi. Pour moi, ça va être hyper dur. Tu fais ton petit équitation. Tu l'as dans combien de temps? Mais non, moi j'ai déjà l'opti. J'ai dans 5. Ah, mais t'as fait les chevaux. Ok. De toute façon, je suis aussi sur équitation. Et vraiment, ça prend pas. Ça t'en demande pas, non? Tant mieux. Ah, essaye de contourner! Il faut qu'il me déclare la guerre, sinon il va. Il allait sur une 2-1, du coup.
Sauf si je me mets sur la 2-2, normalement, fromage. C'est pas de colline. Alors normalement, en faisant ma basilicoi paides, ça devrait le faire. Ok. 57 et... Ok, on peut déclarer la guerre prochain tour. Enfin, la fin du tour. Tu veux, ouais, fin du tour. Ah, t'as un bâtisseur... Oh, putain, mais il est tellement loin! Ouais, il est loin. Tu fais tradition militaire, un tour. J'ai déjà fait, c'est pour ça que t'as eu le petit. Ah, tu l'as déjà fait? Ouais. Putain, je suis rien. J'ai remarqué que tu dis rien. C'est la cavalerie lourde, le baron. Ouais, faut la carte. Bon, l'avantage c'est que j'ai beaucoup de culture à côté de lui. Déclare la guerre, déclare la guerre. Mais c'était pas à toi de le faire! Putain, les cons. C'est eux qui ont déclaré la guerre, non? Non, c'est moi. Ok, on a okay. Tout. Oh, le campus a été posé sur le poney. Voilà la capitale. Travail du fer. Je vais pouvoir payer, piller sa mine. Et pas mal. Ça fonctionne pas mal, hein, notre petite compo comme ça, toi frontlane et moi qui... Et toi backlane, ouais. Oh, on est pas mal. Putain, il manque 2 points pour l'âge d'or. 2 points Moi je l'aurais jamais, laisse tomber. T'as un poney? Mais non. 3 tours les poneys. 3 tours. Ils ont aucun point dans les cités états. Moi j'ai un point déjà dans Bandar Brunet et Hansa. Moi aucun. Lieu saint, savant illustre, lieu saint. Faites chier les quêtes là! Moi je vais pas faire de lieu saint les gars. Que je suis pas plutôt sa mine de fer. Ah, il a un beau campus, c'est pour ça, il a un campus plus 12 000 là. Plus 4, ouais. Moi je me casse avec mon clair, du coup. Bah, écoute, je fais full colon. Hein. Si je fais colon, hein. On va juste load sim et puis. Ça sera gagné en fait. Hein. Il peut se settle où après dans le bloc? Oh yes, des incendies! Je m'en rapproche. Je vais me rapprocher de lui. Après, il va falloir que je fasse des villes aussi à droite. Ouais, faut juste que tu fasses gaffe à ta choke. Tu lui as pété un bâtisseur ou pas? Non, j'ai pillé une mine. D'ailleurs, j'ai de la thune, hein, si tu veux. On va garder pour l'instant. Bah, au pire, si tu veux, je pourrais acheter un poney, quoi, un étarois. Ce serait bien que tu fasses une ville près de moi en fait, comme ça je la convertis vite. Ah ouais, à droite de Pella, je vais en poser une. Moi j'ai juste 1, 2, 3. À droite de Pella Tarte. Moi je vais poser une ville là plus tard. Mais normalement y'a pas de problème, ça te jette pas. Il a fait son aménagement unique pour avoir l'âge d'or. De qui? De Perse. Perse. Il a bien fait. Hein. Il est un peu dans les choux, dans les stats. Hein. Oh, j'ai une belle ville. Agay, c'est une belle ville, ça va. Ah, je me pose là en fait. Mes épines.
J'ai trois colons qui sortent dans pas longtemps. Ouais, moi aussi j'en ai deux là. Prochain tour. Deux en 5 tours et un en 3 tours. Mais sachant que je vais faire un état roi au prochain tour dans ma cape. C'est dommage, là je dors. Ouais, à un tour. On aurait pu l'acheter. Après, j'étais obligé de passer par le campement, hein, c'est obligatoire. Qu'il fallait peut-être plutôt que tu fasses des Ipastis plutôt. Ipastis, ouais. Je sais pas comment on dit. Des Ipapistes. Ipapistes. Pas des pastis, non. Des Ipastis, hein. J'ai des belles villes, ah, j'aime bien cette game. Très sympathique. Ah, lui il a des belles cases, hein. Regarde son poisson récif là. Une mentalité, hein, cette fois-ci, je fais pas le con. Ah, tu fais pas le con, hein. Pas comme ça, Zinedine, hein. Zinedine Zidane. Ah non, moi il faut que je parte monnaie. Et non pas Claude, hein. C'est pas mal. On l'accepte celle-là, je pense. Je pense que Claude Monet, on l'accepte. On l'accepte, bien sûr. Tu sais que j'avais dû faire sous un lieu saint. Oui. Sur ta cape. On va prendre ça tout de suite déjà. On verra. République passive, bien évidemment. Ah, tu settles vers lui en mode agressif. Sur la 2-1, c'est ça? C'est ça. Pour lui deny plein de settle. Ouais. Ouais, pareil, je s'étale dessous là pour le deny 17. Ah, oh, il me l'a tué. Infidel. Ouh, petit colon qui s'échappe. Hop là, on se met au milieu avec le guerrier. Il a des belles villes en vrai. Hein. Regarde l'autre là. Il y a une banane 4-2. Ah ouais. Ah ouais, what the fuck les bananes là? Une banane 4-3, il y a eu des incendies mec. Regarde la banane 4-3. Ah, il va... Putain, mais même l'autre avait 12-17, il a des bonnes stats hein. Ah! Pourquoi son archer vient de me mettre aussi cher? Tu peux faire plutôt loisir HK, je te ferai histoire écrite. Ouais, ouais, pas de soucis. De toute façon, moi je dois partir en haut après. Je fais un petit stratégie détour, défensive après. Ouais. Pourquoi il vient de me mettre aussi cher là? Je fais. Envoie-moi tous les Ponecta s'il te plaît. Je peux te dire que je vais chier des éthérois. Il va devoir me donner Néapolis. Oh non, je voulais échanger. Merde. Bon bah j'ai pas les first move. De toute façon là ce qu'il faut faire c'est le tuer le plus rapidement possible. Lui je sais ce qu'il va faire hein. À part ses Saka, il va vouloir très rapidement faire un colon et se barrer hein. C'est sa seule chance de survie hein. Par contre, les Nagar ils font toujours pas de lieu saint là. Non. J'ai une limite envie de faire un missionnaire en fait. C'est ce que je vais faire d'ailleurs.
Go. Je suis un missionnaire, je vais convertir Rakan. Qui va spread en fait. Ouais. Ça va spread sur le Perse après. En fait, j'ai mis le statique, c'était le bon patch. Ouais, c'est ça, je suis statique. Ouais, c'est bon. Ouais. Statique, pardon. Ah! Première chez Monte Saka. Et je suis en oligarchie. Je pense que je prends des bons trades contre les archers montés à 15. Ça reste des archers, hein. Après tout. J'ai mon général dans 6 tours. Ah mais en plus je peux lui mettre le plus 5 pour contre les unités à distance. Ça counter bien les unités Saka en fait. Plus 7. Ouais. On a joué là. Tôt. Et déjà monté Saka sur ma gueule. Embête un petit peu ça. Yet. Il vient de sacrifier son premier Saka. Yes. Allez, il l'a sacrifié. Il a cru que j'aurais pas les PM. Bah si. Allez, chez. Dans ta bouche. On était sur masse dégâts quand même. Hein. Il a pris très cher sur ce trade. Hein. Alors les gars, il va falloir les garder, mon coco, hein, par contre. Je préfère te prévenir à l'avance. Sinon, je vais pleurer, moi. Hein. Alors certes, je pars sur la monnaie. Oh le bâtard, il a eu le temps de pied. Ça a pas avancé. Une merveille là-haut. What the fuck. Pour enlever ton pin de fer si tu veux. Ils lui ont acheté un truc. Sur quelle tech là? Je dirais un spad. Non, il a pas le. Ah, quoique. Non, il lui a acheté un poney, je crois. Ok, je vais faire deux varous et un cavalier là.
quand même. Je suis à Cannes. Ok, nice. Je vais voir la vision comme ça. Okay. Ok. Gaffe, il y a un éclair. Ouais, où ça? Non, il est là où il est. Là. Tu vois ce que... Je suis sur Histoire écrite du coup. Loisir, prochain tour. Prochain tour, j'ai mon général. Ok. Ça va faire mal. Allez, Vopex. Il va être obligé de se poser dans le gris s'il veut faire des villes. Putain, mais pourquoi 57 fans allaient first move sur moi là? Putain! Adri, Adri, tu veux dire? Ouais, Adri, Adri. Non, c'est Adri, Adri, c'est vrai. Il y a une bonne co, lui, j'avais oublié. Il y a un monté Saka chez moi. Ouais, normalement tu t'en occupes. Hein. Adridri, c'est vrai qu'il a des gros first move. Il peut tirer de là, d'accord. Deux Saka chez moi. Ah bah full Varou mec hein. Yes, ça arrive. Ça appartient pas à ta religion encore Akkad? Non, je vais spread une fois. Ok. C'est dans 5 tours mais je pense que moi c'est... visiblement chez moi c'est bon. Toi j'ai déjà une ville, je vais avoir amphi police là bientôt. Ils font toujours pas de lieu saint. Par contre le pers c'est un copain. Ouais le pers ouais. Parce que je devrais pas faire copain. Je sais pas ce qu'il va en faire mais Mais c'est une push là mais j'ai une belle choke. J'ai déjà mis un colon en plus. Prochain tour je shuttle là à côté ta 4. Faut que je sécurise Akkad en fait, faut vraiment que ce soit mon pote Akkad. Akkad c'est mon pote, je mets quelques verrous, il passe pas. Par contre, ouais, il peut. Ouais. Je fasse gaffe à mon missionnaire. Ouais, faudra pas qu'il te le condamne, ouais.
train de faire full armée, faut que je fasse attention quand même. Je vais faire des archers aussi. Je vais faire un trône. M'attaque. Ouais, il va pas faire grand chose avec tes varous. Il aura dû tout mettre sur moi. Hein. J'ai deux marais là. Mon land il est assez défensif, je pense pas qu'il puisse comme ça me pêche. Avec des sacs. Bon, je vais faire une tournée de ma. Des tarois plutôt. Voilà, tu peux peut-être. Peut-être mettre la pression. Après, c'est bien aussi ce que tu fais. Bah, je les one shot. Ah! Il y a du monde derrière. Hein. Elle avait quand même 280 d'armée. Hein. Ouais, il a quand même 280 d'armée en effet. Allez, je refais une tournée. Tournée complète. 3 éthérois. Elle fait full armée, je pense. En vrai. Non, mais il y a grenade au sud. Les grenades. Ah ouais. Ingénierie. Mais c'est quoi cette terra cassée là? Tu veux essayer de convertir une ville là? Moi? Ouais. Ouais. Oh, Néapolis, c'est déjà fait, tiens. Ah oui. On va peut-être gagner la religieuse. Bah. Je pense que c'est ce qui va se passer en vrai. Ils ont toujours pas fait de lieu saint. Ils ont pas fait de lieu saint, ils ont pas fait. Ils ont oublié, mec, hein. Je pense qu'ils savent pas en fait. A mon avis, c'est leur premier 2v2. En vrai, on est bien dans la game. J'ai regardé ouais. Le pire, s'il a 4 villes. Il a mis du mal à. Regarde, 3, 4 villes et 3 villes. Toi, t'es à 5 villes, tu vas être à 6 villes. T'as plus de villes que moi alors que je suis en monumentalité. Je fais juste mes temples en fait. Mais en fait, je trouve que le site a fait une grosse erreur. C'est de tenter d'attaquer en fait. Ouais, je comprends pas trop. Sous là, je suis juste un. Un varou, un cavalier. Après, le truc, c'est que moi, mes éthérois. Sont des gros counters à la city en fait. Ouais. Stratégie défensive, c'est ça là? Stratégie défensive, prochain tour. Et t'es sur quoi comme tech? Ingénierie, 9 tours. Ah, je fais un tout droit en bas. Hein. Ingénierie, 9 tours, t'as dit? Ouais. T'as le double de j'ai ma science hein. J'ai 6 en fait moi. Lol. Bah écoute, je vais te le faire, t'inquiète. Je vais te le faire. Moi je suis là parce que là je suis à roue. En vrai faut que je passe sous l'archer. Je suis à 5 tours. Là. Je vais être le petit, ok? Ok. Continue le militaire. Je ne vais faire que ça hein, pendant toute ma game. Je vais faire des archers là, parce que. Au cas où. Parce qu'avec le nom, on sait jamais. Attends, le plan de convertir, attention. Oui, oui, Sparda là, moi. Prochain tour, normalement, t'es Zoc. Je sais pas, ouais, des Zoc. Ah ouais, merde. C'est
fini stratégie défensive. Ouais, y'a des... y'a un cavalier. Non. Je vais me mettre là en fait. Cinq tours, j'ai mon trône du seigneur de guerre. Je vais faire des archers après dans toutes mes villes. Je fais plus de colons. Je vais mettre ça. J'ai de gouvernement après là. Je vais mettre en oligarchie. Le Perse part sur un général, il va l'avoir, mais moi j'en aurai un autre. Donc la City n'aura potentiellement pas de général. Je sais pas ce qu'ils foutent là en fait. T'es perdu. J'ai 34 de science moi. Comment? Quoi? Hein? Un campus plus 12? Ouais c'est ça en fait. Lol. Quoi? C'est Magnus qui fait ça, non? Même pas, j'aime pas Magnus. Non, je veux dire Pingala. Pingala, ah oui, Pingala sur... T'as un Pingala doublé, non? 7 de pop. Ouais. T'as Pingala 6 de pop, quoi, donc. Putain, j'ai oublié de te faire pets. Il va falloir une push, je pense. Ah merde, il m'a niqué mon missionnaire. Non, t'as pas été assez actif. Ouais, fallait que je te l'envoie à toi en fait. J'aurais converti tes villes, j'aurais gagné 6 de gold de plus. Deux tours à générer. Fais gaffe, il a déponé au nord. Pas de général, hein, donc elles sont assez weak ces unités. Pourquoi je peux rien faire avec? On devait avec mes archers là. Pas compris. Toujours pas de lieu sain, toujours pas de campement. Ah, il a peut-être soigné son dada, il a peut-être échangé, ouais. Salut Yankee! Comment tu vas? Ingénierie. Ok, du coup je fais autre chose. Oh la crue qui a failli me déglinguer mes unités. Elle a rien fait. Fertilité accrue sur une case. J'ai eu peur. Le stack pour eux, je vais refaire des coups. Attends, mais lui, tu veux dire qu'il a pas fait de place de la gouve? Non, pas encore. Je vais attendre les bâtisseurs. Oh, il a pas fait sa place de la gouve, le. La city. Je vais pas faire ça à l'ancestral, je pense que je vais faire ça à l'audience. Peut-être un peu too much, je peux trop. Non, salle d'audience. Bah, c'est bon, tu m'as quasiment. Fais gaffe, ça va sur Delhi ouais, directement. Ouais, t'inquiète. Fais pas peur ça. Me demande s'il va pas Toline en fait. Ouais, ouais, mais t'inquiète.
fait, il a surpris, je pense. Moi, je vais lui dire bonjour. Bah ouais, ça fait longtemps, Yankee. Comment tu vas? Ah, je vais avoir deux généraux, vraiment. Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser deux généraux à une Macédoine. Je sais pas ce qu'ils font en face, hein, honnêtement. J'étais au petit. Machin. Ouais, j'ai vu, je te remercie. Ils sont complètement perdus. Je pense qu'ils savent pas quoi faire, hein. Ouais, je pense. Genre, le site il fait des ports. Fait des ports là? Ouais. Ah, d'accord. Pourquoi pas. Là, je vois pas l'intérêt des ports en fait. C'est une blague. Je vais te convertir tout seul en fait. Mais lui, je peux pas, les missionnaires sont trop chiants, je peux pas. C'est pas grave, il va falloir attendre, hein, écoute. Hein. Ouais, ouais, faut que je fasse juste des villes à côté en fait. Que je convertisse sans un. Salut Néapolis! Le push aussi. C'est le timing. Ah. Ok, on fait des bombes tranquilles. C'était vraiment trop fort la cible religieuse en début. Surtout quand t'es tout seul. Il lui reste 2 HP, je suis deg. Donc, Payas, 2 généraux quoi. Fonction publique 6 tours. Je peux citer dessus. Allô. Ouais, allô. Je reçois pas, désolé. Désolé, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ah, j'ai. Certains se demandent si le pouvoir... GG. Je suis déçu, hein. ...ne peut être utilisé sans volonté. Je crois qu'ils ont compris leur erreur. T'es déçu. Ou si la violence n'appelle que plus de violence. Ces questions n'ont pas lieu d'être. Vous les avez rendues obsolètes. Tranquille. Bon, bah attends. Merci pour les GG, merci beaucoup. Hein. C'était très difficile comme victoire. Très 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 difficile. Je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez... Et c'est eu 13500, comment vas-tu? Je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez me soutenir, le meilleur moyen et le seul moyen de le faire gratuitement en ce moment, c'est tout simplement de télécharger Raid Shadow Legend avec mon lien. Vous désactivez votre bloqueur de pub pour le télécharger, hein, parce qu'il y a besoin de faire ça. Et vous faites le tutoriel, ça prend 5 minutes grand maximum. Voilà, vous pouvez faire ça vite fait. Je pense à Yankee à 13500. Grâce à vous, on peut être à 18, grâce à vous deux. Ça serait ouf. Voilà, c'est tout. C'est un moyen de me donner de l'argent en fait. Si on arrive à 20, je pense qu'on n'arrivera pas au palier suivant qui est 30. Mais 20, on peut y arriver 20 à mon avis. Allez, je compte sur vous. A tout de suite, on se démute.
Heureusement. Ça, oui bizarre. Bah alors la religion. Y a pas que ça, 57 perd son deuxième colon, le volcan qui me baise un peu, bah les trucs qui pouvaient me permettre de tenir. Ah bah je pense Adri doit partir général quand même. Mais oui, pourquoi tu fais pas de général? Ah y'avait un campus plus 4. Mais on s'en fout du campus plus 4. Quand t'es aussi près là, je pense que ouais. Faut que tu quand t'es aussi près d'un macédonien, moi j'ai deux généraux là. Là il passe aussi. Là j'ai deux généraux, tous mes états rois ils ont un général adjacent. Mais le truc que je me suis dit, c'est que du moment où je suis parti campus dès le début, le général c'était mort parce que t'allais forcément en avoir deux. Ben non, pas forcément. Mais pas forcément. Tu peux l'avoir. Regarde, moi, je mais tu peux l'avoir tous les jours parce que justement, tu vas plus vite sur les autres unités, etc. En fait. En tout cas, à un moment donné, je pense que t'avais 116 gold, t'aurais pu acheter un bâtisseur et chop à la limite. Je pense que non, c'était moyen. Il y avait moyen d'avoir un général au moins. Ok. Je pense. Non, mais de toute façon, on va y battre sur ce coup. Mais par contre, le Perse, tu dois faire un lieu saint, le Perse. Hein. Pourquoi? Ouais, c'est trop fort la religion. Bah, en fait, là, on gagne à la religieuse dans moins de 20 tours. Ouais, ouais. Quoi, vous parce convertissez que... Mais oui, oui regarde, Néapolis. Oui. Moi, mon land entier est converti. Ah, mais il y a prédicateur en fait. 57, mais oui, ça 40% sur la ville éloignée. J'avais là, par exemple, sur Sparda, il y a 3 villes. Qui envoie de la pression sur Sparda. Et heureusement que t'es un peu loin parce que, ouais, en fait, si tu regardes même la city là, j'ai déjà converti sa B2 et sa capitale. Et en fait, le truc c'est que sa B2 plus toutes mes villes, plus les siennes, font de la pression sur sa cap. Moi, franchement, honnêtement. En fait, vous avez perdu dans moins de 20 tours en fait. Ouais, je pense. Juste à la religion et sans rien faire. Et prédicateur, je trouve ça trop fort. Même si tu peux prendre autre chose, tu vois, mais là, prédicateur dans cette map. Ouais, on est pas du tout parti là-dessus, mais je pense que c'est un bon plan. Ah, mais c'est obligatoire. J'ai collé juste obligatoire. Pologne. Pologne, c'est ok, Pologne. Hein. Ouais, on m'a dit que c'était du troll. Moi, je pense que c'est ok, parce que si t'as pas mal de culture. Pologne, ça se défend bien. Hein. Si t'as pas mal de culture, ton timing hussard, il découpe tout, hein. Ouais, mais si tu te retrouves face à un Macédone en early, la Pologne. Un peu mal, avec des spades, ça le fait. Hein. Bah, vous avez le temps d'en faire une? Moi c'est non. Ok, ça dépend d'HK. Moi non. Des os. Okay. Au pire, Riggy, comme la dernière fois, t'essayes de trouver quelqu'un. Ouais, je vais regarder. Moi je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Et encore GG à vous. De même. À tout HK. GG. Et voilà, mesdames et messieurs. Moi je rejoue pas hein, une game le soir, c'est bien. Je vais plutôt aller chill sur un autre jeu, faire mes quêtes sur WoW et puis voilà. De toute façon, vendredi soir, c'est-à-dire demain soir, on se retrouve pour notre premier match officiel. De 2v2, donc on verra comment ça se passe. Normalement ça devrait bien se passer. On s'en sort plutôt pas mal en ce moment. Je vais attendre 5 minutes pour voir s'il y en a qui font l'OP Red Shadow et on va jouer à Red Shadow Legends en attendant. Eh ben. Allez, descends. Pff. Ça bug de ouf, XSplit. Je vais finir par annuler mon abonnement XSplit et partir sur OBS, hein. Niveau 5, 1. Who am I? I'm a champion. On va partir sur du PV.
Non, je voulais faire bataille. C'était pas assez gros. Allez, changer le nom du le jeu, pas le nom du stream, mais le jeu. Ah, le one shot comme ça? Ok, ça s'est bien passé. Bon, lui, il va mourir, hein, évidemment. Ouf. Petite pluie d'acide. Oh yes, on a eu ça. Attendez, il faut qu'on l'ouvre. Bah, il fait la gueule, le seigneur. On n'a vraiment pas une bonne compo pour l'instant. Caillou! Oh! Fou là-haut, l'équipe en face là. Oh, le gros caillou qu'il a envoyé. C'est loose en fait, à mon avis. La vie, c'est loose, hein? Non, ça va. Ça s'est bien passé, ouf. Pouf. Ça s'est passé de manière ok. Je suis pas sûr que c'était le meilleur champion de le début, celui-là. Je vais me connecter avec mon autre compte. Bah écoutez, je me souviens plus de mon autre mot de passe. Du coup, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Donjon, on va faire un donjon, tiens.
On va faire le donjon de force. Oh, le vilain pas beau. Petit dégât de zone. Oh! Cher là. Caillou. C'était chaud, hein. Pas convaincu de notre compo. Hein. Vraiment pas convaincu de notre compo. Bon, eh bien messieurs dames, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée, une très bonne nuit. On va s'arrêter là. Voilà, on est sur une victoire en 2-2, une victoire non officielle, mais une victoire quand même. À très bientôt, je sais pas quand, sûrement demain. Ah oui, demain soir, je vous ai dit, demain soir pour le tournoi de V2. Sinon pas avant, il y a des chances que non. Je pense qu'une fois que je suis à 20, je dirais au mec que je pourrais pas arriver à 30. Parce que je douille mes grands morts et j'arrête pas de parler de cette OPSP et tout, ça. C'est pas bon pour les streams. C'est bon pour le porte-monnaie, mais ça change ma manière de streamer et ça me plaît pas. Donc je pense qu'on fera peut-être une dernière OPSP après. Et encore, je pense qu'on la fera d'une manière bien plus neutre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.
comprends pourquoi les gros streamers n'acceptent pas tout le temps les OPSP.